Dans cet exercice, à partir d'une suite définie par une relation de récurrence qui est donnée ici, on nous demande de calculer en détaillant V1, V2 et V3, soit les trois termes suivants, le deuxième, le troisième et le quatrième terme de la suite. Il s'agit ici simplement d'appliquer la relation de récurrence, comme Vn plus 1 est égal à 2 fois Vn moins 1, eh bien on va appliquer cette relation en remplaçant n par 0, ce qui veut nous dire que V indice 0 plus 1, 1 est égal à 2 fois V0 moins 1. Et V0, on le connaît, il vaut 2, c'est donné dans l'énoncé. On peut donc conclure que V1 est égal à 2 fois 2, on remplace V0 par 2 moins 1, soit 4 moins 1, 3. On a déterminé V1. Maintenant qu'on a déterminé, on va pouvoir calculer V2, avec toujours la même relation de récurrence, en remplaçant maintenant n par 1, puisque V indice 2 est égal à 2 fois V indice 1 moins 1. Et comme on a V1, on peut donc avancer. Et cela nous amène à avoir V2 est égal à 2 fois V1 moins 1, soit V2 est égal à 2 fois 3 moins 1. On a remplacé V1 par 3, ce qui fait 2 fois 3, 6 moins 1, 5. Et on procède de la même manière pour déterminer V3, 2 fois V2 moins 1, soit V3 est égal à 9. On a déterminé V1, V2, 23, comme cela nous était demandé.